Quelque chose que tu ne sais pas, c'est que ton œuvre, les chansons que tu as écrites sur cet album, les précédents albums, ont inspiré quelqu'un qui est un peu moins connu que son grand frère. Tu connais Fabrice Lucchini ? Oui. Le comédien, vous connaissez toutes et tous Fabrice Lucchini, bien sûr. Vous savez que Fabrice Lucchini a pour habitude de faire des lectures dans des théâtres, de lire des grands textes des auteurs français. Il a un frère qui s'appelle Patrice Lucchino. Mais c'est vrai. Patrice Lucchino, lui, a décidé de lire tes textes dans une grande tournée en province et de faire, non pas de l'explication, il a trouvé tes textes intéressants, très beaux, et il a décidé d'en faire profiter eh bien, tous les Français à travers le théâtre et ses lectures. Alors c'est un moment de bonheur, un moment de poésie, je vous propose tout de suite, avec Patrice Lucchino qui lit les textes de Francky Vincent, l'invité de la grosse émission. Regardez, c'est pour vous, c'est un cadeau. Patrice Lucchino. Tu pues du cul. Quand je suis chez moi, je bouffe que des choses saines. En regardant avec Hélène quelques films obscènes. Elle me dit que l'ambiance ce soir, elle est malsaine. Je lui dis, ferme ta grande gueule, Hélène. Au supermarché, je prends tout ce qui est biologique. Je fais dans l'esthétique et dans la diététique. Elle bouffe des hamburgers, des hot dogs, des sandwichs au thon, du boudin, des acras, des merguez. Et du mouton. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu pues du cul. Ça pue. Quand je digère, ça passe comme une lettre à la poste. Mon dîner ce soir était à base de toast. Elle s'est foutue dans la bedaine du chili con carne. Je regarde la télé avec Hélène. Elle ne fait que dégager. Prout, 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 prout. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu pues du cul. Merci.